J'aurais bien fait la grasse matinée, mais j'ai trop faim. Il faut toujours prendre un petit déjeuner le matin. Hier, j'ai repéré un petit buisson plein de fruits et je crois que je vais me régaler. Tiens, c'était pas là. Je suis pourtant sûr d'être passé par ici. Ce n'est pas là non plus. Je crois bien que je me suis perdu. Mon troupeau a continué sa route vers les pâturages d'été. Je suis tout seul. Je suis fatigué de tourner en rond dans cette maudite forêt. Et puis j'ai faim. Quelle chance. Justement, voilà de beaux fruits bien mûrs qui ne demandent qu'à être mangés. Se réveiller le matin, c'est épatant. Quand un bon petit déjeuner vous attend. Mais quelqu'un est en train de manger mes fruits. Arrête, sauvage, pillard, vandale, mes fruits, où sont passés mes beaux fruits? Non mais, fais comme chez toi, et puis d'abord qui es-tu? On t'a jamais vu par ici, tu n'as pas le droit, tu n'es qu'un étranger, voilà. Oh, je rêve, un étranger dans ma forêt, qui mange mes fruits, ça va pas se passer comme ça. Quel drôle d'animal, pourquoi se met-il dans une telle colère? Au secours, Croxel, on veut nous affamer. Oh là 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 là, que t'arrive-t-il, mon bon tête en poire? C'est affreux, je me lève de bonne heure pour aller prendre mon petit déjeuner, et là, je tombe sur cette bête bestiole à cornes tordues qui a mangé tous mes fruits. Tous tes fruits? Vraiment, gros gourmand. Il y en a pourtant plein les arbres en cette saison. Peut-être, c'est pas une raison. Viens vite, Croxel, allons chasser cet étranger qui dévaste notre forêt. Calme-toi, tête en poire. Dis-moi, l'as-tu au moins laissé parler, ce fameux étranger? Non, mais tu sais, il a vraiment tout mangé. Peut-être qu'il mourrait de faim, va donc lui demander. Bon, d'accord. Il est drôle, Croxel, mais un petit déjeuner qui disparaît, c'est comme si la foudre nous tombait sur la... Oh, voilà justement l'orage. Plus de peur que de mal. Mais je suis coincé, je peux pas sortir. Au secours! Au secours! Mais c'est tête en poire! Avec cet orage, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Ça va, mon bon tête en poire? Oui, mais je suis coincé. Je n'arrive pas à me dégager. Je suis trop petit pour soulever un arbre. Quant à Otto et Bilboquet, nos deux costauds, ils sont partis faire un concours de tir à la corde. Mais ne t'inquiète pas, tête en poire, je vais chercher de l'aide. À tout de suite. Je ne vois personne. Ah, tiens, quel est cet animal? Bien le bonjour, je m'appelle Croxel. Moi, corne dure, et je suis perdu. N'aurais-tu pas ce matin rencontré un éléphant avec de grandes oreilles? Un fou furieux qui m'a menacé et accusé d'avoir mangé tous ses fruits. Mais les fruits de la forêt, je le sais... appartiennent à tout le monde, je sais. Écoute, tête en poire est un peu coléreux, mais il n'est pas méchant. Ah, c'est ton ami. Et pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Eh bien justement, il a été pris dans la tempête et maintenant, le voilà coincé sous des arbres, il a besoin d'aide. Je veux bien essayer. Super! Laisse-moi te conduire jusqu'à lui. Courage, tête en poire! Voilà des renforts! Bonjour, monsieur l'étranger. Si tu m'aides, je crois pouvoir déplacer ces troncs. Oui, c'est ça! Vas-y, pousse, cornedure! Merci, cornedure. Excuse-moi de m'être fâché tout à l'heure, hein, mais je suis un peu gourmand. Ce n'est pas grave. Tu sais, j'étais perdu et j'avais très très faim. Et toi, tu m'as appelé étranger, mais ce n'est pas une insulte. Il a raison, on est toujours l'étranger de quelqu'un, et réciproquement... Je ne comprends pas très bien, Croxel. Réfléchis, gros bêta. Si un jour tu vas voir Cornedure dans son pays, tu y seras à ton tour un étranger. Mais j'y pense, tu n'as toujours pas pris ton petit déjeuner, tête en poire? Et j'ai vu pas loin d'ici un arbre arraché couvert de fruits. Oui, allons-y, viens Cornedure. On va se régaler. Ça y est, j'ai compris. En fait, un étranger, ce n'est rien d'autre qu'un futur nouvel ami. Tu resteras toujours parmi nous. Je veux bien rester. Mais à la fin de l'automne, quand mon troupeau repassera par ici, alors je partirai.